Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui un déballage et une présentation d'une manette pour Wii, Wii U, mais au format GameCube. Voilà, donc en ce moment je me mets à rechercher certaines manettes que je n'ai pas. Ce qu'effectivement je refais la collection, une collection donc de consoles. Alors en ce moment je recherche beaucoup les consoles Nintendo du côté de chez Nintendo et du côté de chez Sega. Un peu moins Microsoft, un peu moins Microsoft Sony. Etc. etc. Mais bon, ça va venir par la suite puisque j'ai quand même déjà pas mal de consoles de ces marques-là. Peut-être moins Microsoft, mais beaucoup plus Sony, voilà. Donc, je suis à la recherche de pas mal de manettes emballées neuves. Donc là, pour une fois, c'est pas sur eBay que j'ai trouvé. J'ai trouvé ça sur Amazon. Si je me trompe pas, c'est sur Amazon parce que j'ai acheté pas mal de choses, donc je sais plus trop où je les ai pris. Mais bon, bref, voilà. Entre guillemets. Il y a des prix qui pour moi sur eBay sont ahurissants, hallucinants, ou c'est limite du vol pour une manette. Je trouve que c'est hallucinant. J'ai vu le même type de manette là, donc cette manette là sur eBay qui se vendait 30, 35, 40 euros, 25 euros d'occasion. En plus d'occasion, pas une manette neuve, une manette d'occasion. Donc je trouve ça quand même assez aberrant, surtout que ce n'est pas des manettes qui sont officielles GameCube, officielles Wii. Officiel Wii U, etc. Même si c'est marqué Wii U, hein, oui, en fait, ce ne sont pas des manettes de marque Nintendo. Vous allez le voir, ce sont des manettes de marque de chez Ori. Donc, ils ont bien le certificat Nintendo, donc ils sont bien officiels pour Nintendo, mais ça ne sort pas des usines, pardon, de chez Nintendo. Ce sont comment dire? Ça sort, voilà, de chez Ori, ça sort pas de chez Nintendo. Donc, il y a des prix, c'est un petit peu hallucinant. Alors, aussi bien des manettes Super Nintendo, alors je vais vous montrer aussi bien des vieilles manettes Super Nintendo, comme celle-ci, qui est à peu près en bon état, qui se vend 15 euros, parce que cette manette-là a quand même, on va dire, entre guillemets, une vingtaine d'années. C'est assez recherché quand même, et qui plus est en bon état. Ou du style, une vraie manette GameCube. Qui est en bon état, qui en moyenne on arrive à les trouver à 20, 20 euros, 25 euros, des fois 30. Hein, et puis il y a des prix qui montent super haut. Là j'ai une manette qui est toute neuve dans son emballage. Je l'ai juste sortie une fois pour justement faire la vidéo de déballage. Donc c'est une manette noire officielle de chez Nintendo GameCube qui, quand je l'ai achetée déjà, avait coûté une blinde. Et là quand je la vois sur eBay ou d'autres sites de vente marchande, se vend à plusieurs. Enfin, à presque 100 euros, ou des fois même 100, 150 euros, je trouve ça quand même hallucinant. C'est une manette, c'est pas une console de jeux vidéo, c'est une manette. Voilà. Donc ça, c'est mon petit coup de gueule, vu que j'en fais beaucoup en ce moment. Mais là, je trouve ça. Je trouve que c'est n'importe quoi. On en trouve encore des manettes, donc c'est pas. Je dis pas que c'est pas rare, mais on en trouve quand même encore. Donc les vendre à ce prix-là, personnellement, un conseil, attendez. Prenez votre temps, cherchez, 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 et des fois vous tomberez sur une manette peut-être neuve ou d'occasion, mais qui est en super bon état, à des prix toutefois très raisonnables, entre peut-être 15, 25, 30 euros. Alors après, 30 euros ça va encore, si c'est une vieille manette qui est en bon état, d'occasion, qui est très recherchée, 30 euros ça va. Mais des manettes à 80, 90 euros, non, faut arrêter le délire. Voilà, donc on va passer au déballage. J'ai un petit peu avancé les choses, en fait, j'ai pas déballé la manette. Par contre, je comptais la garder telle qu'elle était pour ma collection personnelle. Après, je l'essaierai quand même pour voir si elle fonctionne quand même. Hein. Donc, j'ai un petit peu défait les scotch ici. J'ai réussi à défaire les scotch. C'est quelque chose de très rare. D'habitude, quand je défais, ça arrache le papier cartonné. Ça fait des. Voilà. Et là, j'ai réussi. Donc, j'ai dit, on va le laisser décoller comme ça pour la vidéo. Et puis voilà. Donc, on va faire le tour du propriétaire. Donc, c'est une manette GameCube, style GameCube. GameCube, mais pas pour la GameCube, donc pour la Wii ou la Wii U. Donc il faut savoir que celle-ci elle a le branchement type, comme sur les manettes de la NES Classic Mini, de la SNES Classic Mini, c'est-à-dire que vous êtes obligé pour la faire fonctionner d'avoir la Wiimote. Voilà, donc que ça soit pour Wii ou la Wii U, vous serez obligé d'avoir une Wiimote pour la faire fonctionner ou un autre adaptateur, tel G-Bros, si vous vous rappelez bien le G-Bros de chez Eibido, pour faire fonctionner cette manette. Sur une Wii, une Wii U ou limite la Switch. Voilà, si vous utilisez l'adaptateur G-Bros. Donc, voilà, en plus c'est bien noté ici. Hein. Ce produit se connecte directement à la télécommande Wii U. C'est bien marqué ici Wii Remote nécessaire. Voilà. Là, ce produit n'est pas compatible avec des jeux nécessitant la capture de mouvement. Voilà, donc c'est bien expliqué, bien dit, bien fait. Donc, on va passer au déballage. Avant, on fait le petit tour du propriétaire vite fait. On voit ici.
Hop, style des boutons, une petite façade avant, la croix large quand même, voilà. À l'arrière, hop, on voit comment c'est fait. Sur le dessous, on voit la marque encore. Et puis là, on voit le côté de la manette. Ok. Donc c'est parti pour un petit tour. On va essayer de faire ça proprement, sans rien. Voilà. Alors, comment est-ce emballé? Ça, comme je vous disais proprement, je n'ai pas envie. Voilà. Ah, voilà, style ça. Tac. Alors, déjà, on enlève la petite manice, donc, enfin la petite notice, pardon. Donc, vous voyez bien ici que c'est pas marqué Nintendo. Hein. Vous voyez bien que c'est marqué Ori. Hein. C'est marqué Ori, instruction, manuel, donc mode d'emploi. On voit par le biais de ce dessin-là qu'il faut bien entendu pour la brancher la Wiimote de la Wii ou pour la Wii U. Voilà. Ce qui est bien marqué ici, oui ou oui. Donc ça c'est fait. Maintenant on va essayer de. D'accord. Je ne sais même pas si le plus pratique, le mieux serait pas de laisser comme ça quand même. Alors la manette ne veut pas venir. Qu'est-ce que je fais de pas bien? On va essayer d'y aller un peu. Ouais, d'accord, ok. Faire ça comme ça. Voilà. On va essayer de mettre la manette comme ça. Comme ça. D'accord. Juste le petit carton là. Donc, un jaune qui pète. Elle ressemble vraiment à la manette. Ouais, elle est complètement scotchée. Donc, allez, c'est parti. C'est pas grave. Pas de chichi, pas de blabla. Où est-ce qu'il est le scotch? Où est-ce qu'il est le scotch? Voilà. Nous avons bien. Hop, 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 hop. La manette qui est ici, qui est d'un jaune pétant hein, avec le petit Pikachu, le petit sigle Wii ici. Enfin, ici, pardon. Pikachu, oui. Donc, cette manette donc, se branche bien sur une Wiimote. Vous voyez. Alors, on va chercher le petit adaptateur, enfin, le petit branchement, en fait, la petite connectique. Voilà, donc il est blanc. Le connecteur, on le voit ici. Donc c'est bien type NES classique, SNES classique. Donc ça, c'est pour brancher sur la Wiimote et non directement sur la GameCube. Et non directement non plus sur la Wii ou la Wii U. Hein. Il n'y a pas de type de branchement comme ça. Alors après, est-ce que ça peut se brancher sur une NES classique et une SNES classique? Je pense que oui. Par contre, après, je vois pas trop l'utilité. Hein, parce que comment dire, le placement des boutons est vraiment très différent de ce qui se fait sur une pour une manette. Alors, on va essayer de vous montrer ça. Complètement différent de la disposition des boutons, par exemple pour la manette Super Nintendo, voire la manette Nintendo, parce que quand on compare la manette Nintendo, en fait, vous avez juste la touche A et B, voilà. Donc A d'un côté, B. Donc limite pour jouer à une NES classique, ouais, vous pourriez utiliser A et B comme ça, parfait. Par contre, pour jouer à des jeux Super Nintendo, en fait, le X est au-dessus du A, voilà. Et là, il est à côté du A et le Y est au-dessus du B. Donc là, ça fait un peu, ouais, ça fait un peu bizarre. Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment pratique pour jouer sur une SNES classique. Peut-être pour une NES classique, limite, si vous voulez essayer. Mais la SNES classique, non, c'est pas du tout ça. Donc, leur petite différence par rapport à une manette GameCube, c'est que là, donc, on a la touche Home, on a la touche Select, la touche Start, on a même une touche Turbo. Et là, on a une sorte de petit loquet 5, 10, 20. Donc, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Je pense que c'est peut-être le temps de latence, enfin, ou le nombre d'appuis sur la touche quand on appuie, quand on sélectionne Turbo pour une touche. La croix directionnelle est assez souple. Le stick, c'est pas mal du tout. Voilà, le stick. Là est pas mal. Alors après, c'est vrai qu'au-dessus, par rapport à une manette GameCube, il y a quand même des points qui diffèrent. Hein. C'est que là, on a deux gâchettes et c'est plus deux boutons que deux gâchettes. Et on a aussi ici deux boutons. Normalement, sur la manette GameCube, on a juste le Z. Et après, ici, on a, il me semble bien, ZL et ZR. Donc là, on a L et R et là, on a ZL, ZR. Donc c'est un peu différent. Donc je ne sais pas comment ça va fonctionner sur une. Sur une fin sur avec l'adaptateur enfin, avec l'adaptateur avec la Wiimote si on joue à des jeux GameCube sur la Wii, je sais pas du tout comment ça va fonctionner. Je sais pas si les touches
correspondent réellement ou si on peut intervertir les deux, parce qu'il me semble bien que le Z est là, et en fait ici c'est ZL et ZR ici. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le manette GameCube pour faire le distinguo entre les deux. Hop, voilà, donc pour moi elles sont de la même taille, quelque chose près. Oui, il y a quelque chose près, sont quand même de la même taille. Après, l'épaisseur au point de vue, épaisseur, pas bien sûr. Là, on voit qu'il y a quand même vachement plus d'espace là, à ce niveau-là, du joystick là, par rapport à. Non, si je vous montre comme ça, on va quand même voir qu'il y a un petit écart. Voilà. Au niveau de l'épaisseur, on va faire comme ça plutôt, parce qu'elles sont à peu près de la même hauteur. Là, vous n'allez pas le voir effectivement, mais la manette, cette manette-là, est peut-être un chouïa plus haute. Voilà, le joystick-là est un peu plus renforcé, enfin un peu plus enfoncé au niveau de la. Voilà, donc comme ça, de prime abord, de toute façon, elle ressemble quand même beaucoup à la manette GameCube. Il y a quelques petits détails, donc la croix, alors si vous remarquez bien, la croix de la manette GameCube est plus petite que la croix de la manette. De la manette pour la Wii et la Wii U. Voilà, donc celle-ci est bien plus large, bien plus grande. Les sticks, j'ai une impression que celui-là est un petit peu plus large par rapport à celui-là. Celui-là est peut-être un petit peu moins large. Le C est un petit peu moins large. Autrement, après, au niveau des boutons, c'est exactement les mêmes. Hein. Donc, là, ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, sur la vraie manette GameCube, vous avez la touche Z ici et vous avez la touche donc L, oui, L et R ici, donc avec le là, et puis le petit clip en même temps, donc L et R. Alors en fait, non, même pas en fait. En fait, les touches correspondent bien, donc il y a bien le L et R, mais alors après ici, il y a Z, R, Z. Alors je pense que les deux touches correspondent à la touche Z quand, si je joue à un jeu GameCube avec. Donc je pense que ça devrait être comme ça. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, je suis assez content de mon investissement. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Pour justement jouer sur ma Wii à des jeux GameCube. Alors vous allez me dire, sur la Wii, il y a les branchements comme ceci. Effectivement, il y a les branchements comme ceci. Par contre, c'est galère. Là où ma console est placée, en fait, pour lever le petit loquet qui est au-dessus, c'est un petit peu compliqué. Donc je voulais avoir une manette GameStyle GameCube qui se branche sur une Wiimote. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé celle-ci. Alors j'en ai trouvé d'autres, hein. il y a plusieurs modèles, hein. Il y a le modèle de Pikachu, il y a le modèle Mario, modèle Luigi, et alors un modèle Zelda qui est pareil, quand je vois ça sur internet, ça me fait halluciner, qui tourne autour de 100 euros, donc 100 euros pour une manette, c'est un prix qui est totalement exorbitant. Donc bon, je ne suis pas fan de Pikachu, je ne suis pas fan des Pokémon, par contre j'aime bien la manette jaune comme elle est, donc je trouve que ça fait un peu flashy, je trouve que ça change un petit peu d'habitude, donc c'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là. De plus, elle était pas chère, donc préférez prendre ce modèle-là aussi. Voilà. Donc je crois qu'on a fini. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me poser des questions. Lâchez le petit pouce qui va bien. Partagez sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux. Et surtout, si c'est la première fois que vous venez, abonnez-vous. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut.